Bonsoir, le flash de ce samedi. Les élèves des écoles publiques ont accès et ont lu plus de 66 000 livres via une bibliothèque virtuelle. Cela a été possible grâce à un programme informatique appelé Mayon, qui possède plus de 7 000 livres en ligne. Le programme Renaissance Learning a débuté en 2019 aux Seychelles et a un projet pilote dans cette école. Le responsable du projet, Cyril Pilet, précise qu'à l'heure actuelle, toutes les écoles peuvent participer au programme d'apprentissage. L'espace pour garer la location de voitures à l'aéroport international est un gros problème auquel l'association de voitures de location dit qu'elle est confrontée. C'est l'un des nombreux points de discussion lors d'une réunion entre l'association des voitures de location et la SIAE. Le mois dernier, l'association a publié un communiqué de presse concernant une conférence Zoom avec l'autorité. Vincent Padayashi, le président de l'association, a déclaré avoir discuté de nombreux points affectant leur activité à l'aéroport. Le plus gros problème auquel ils sont actuellement confrontés est l'espace de stationnement et la situation de surpeuplement à l'arrivée où se trouve le kiosque de location de voitures. La directrice générale commerciale de la SIAE, Madame Florence Marengo, a abordé le problème des places de parking et a indiqué que les autres points sont en cours de discussion. Et voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.